Et salut à tous et à tout le monde de Twitter. Donc aujourd'hui, on va jouer à Plante versus Zombie un peu. Puisque j'ai pu régler la qualité de la qualité du jeu, ben maintenant on peut enfin c'est avoir une qualité pour plus correcte. Hein, ce que j'avais avant. Bon, comment j'ai fait? En fait, j'ai tout simplement upscalé. En fait, avec CapCut, donc j'utilise CapCut que je me suis connecté d'ailleurs avec mon compte YouTube ou un autre compte. C'est obligé pour retirer la watermark de CapCut. Je vous recommande parce que c'est moche avec la watermark. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous avez juste à faire les trucs recommandés et upscaler en fait. Votre vidéo, donc par exemple, si elle est en 720p, vous la scalez en 1080p, si elle est en 1080p, vous le scalez en 2K, etc. etc. Et c'est comme ça que ça fait que ben, il y a moins d'artefacts et tout ça, parce que je fais des graphicages comme ça. Et ça fonctionne assez bien. Veuillez m'excuser. Hop. C'est bon. Bon, après je reste pas longtemps sur cette vidéo, c'est pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu avec la neige. Trop bien. Regardez. On peut faire carrément des boules de neige. On peut tomber. Regardez, c'est une boule de neige magique. Elle tient. C'est incroyable. Attends. Qu'est-ce qui... Où on est? Ah oui, attends. C'est très beau en tout cas graphiquement. C'est super. On va essayer de voir si cette bouille... Mais c'est coincé cette conne. Ah c'est bon. Non, c'est moi qui est coincé. Ah. Vraiment clairement coincé là. Bon. Ça va apparaître. Heureusement, il y a ce système-là. Hein. Parce que sinon, on serait bien dans la merde avec ces bugs. Alors, je veux une boule de neige. Oui, voilà. Une boule de neige. J'ai envie de voir si ça grandit. Est-ce qu'elle grandit quand on la pousse? Non, non. Ok. Je pense... Oh lol, j'ai mis de côté. Je pensais que là, que ça grandissait et tout ça. Mais est-ce qu'ils ont changé les autres maps? Je ne pense pas. Hein. Sur cette map-là, je pense que si on y va, ils n'ont pas changé. Hein. C'est tout simplement comme d'habitude. Hein. C'est juste le hub. C'est juste le hub qui change en fait. Et c'est tout. On peut aller voir éventuellement, hein, malgré tout. Mais je pense vraiment que si ils ont changé de truc, ça m'étonnerait fortement qu'ils ont... Est-ce qu'ils se sont cassés le cul à modifier jusqu'ici? On va aller voir. On va quand même aller voir parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'ils ont été aussi loin dans le détail? J'ai des doutes, hein, je vous le dis déjà. Je pense que non, hein. Parce que ça veut dire qu'il devrait tout le temps modifier toutes les maps à chaque fois quand il y a une saison et ça me va pas. Donc verdict. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Non, non, ici ça change pas. Hein. Ça ne change pas du tout. Comme vous voyez, bah ici, ça ne change rien du tout. C'est comme c'était bien avant. Et voilà, sans plus, quoi. Il n'y a pas de changement réel. Du coup, information ici, j'ai bien avancé. Voilà ma carte. J'ai terminé le truc. J'ai eu le chapeau de carcéral, là. Donc, j'ai terminé la mission pour le truc, là. Je vais vous montrer ce que c'est. Terminer la mission et tuer les monstres et le boss et tout ça.
Et du coup, je peux aller récupérer des choses sympas. D'ailleurs, c'est bien qu'on vient ici, comme ça, je peux faire des trucs intéressants et pas rester comme un imbécile à rien foutre. Voilà. C'est ce truc-là. Donc voilà. C'est marrant. Donc, par exemple, je peux aller là et. Par exemple, ici, il y a un coffre. Non, le coffre, là. Voilà. Ben, je peux essayer d'y aller avec cette tondeuse-là. Je pense que ça marchera pas. Elle est un peu trop courte. Elle a une distance trop courte pour cette tondeuse. Mais on peut essayer quand même. Je pense que ce sera pas possible. De ce tour, on ne sait jamais. Peut-être par coup de chance. Ah, si, peut-être que ça fonctionnera. Et du coup, il suffit de faire juste un truc. C'est d'exploser dans sa tronche. Et du coup, ben, toi, le personnage, tu vas dans cette direction pour récupérer ce coffre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je rappelle, il faut avoir battu. Faut avoir fait la mission avec, pour battre Old Mo, le gars qui fait le guidange du disco là. Pour faire ça, hein, sinon ça marche pas. Mais du coup, voilà. Hop là. Ok. Et voilà, ainsi de suite. Et il y en a un peu partout des tondeuses comme ça. Dans certains endroits stratégiquement, parce que sinon il y aurait pas, on n'aurait pas assez d'essence, parce que ça représente je sais pas quoi. Et du coup, il n'y aurait pas assez de trucs et tout ça, ça n'irait pas quoi. Ah non, je pense que c'est un coffre que je ne sais pas accéder. Il y a encore beaucoup de coffres à récupérer. Et comme vous voyez, le jeu est magnifique, hein. Oula. Avec ce magnifique dessin d'une mouflette qui pète. Et que c'est grâce à ça qu'il peut bouger, c'est trop rigolo. Ah non, je l'avais pas récupéré, tiens. Ouh, cette mine. Sympa, sympa. Ah, j'ai de retour, trois. Ceux qui n'ont jamais vu le jeu, je pourrais vous montrer tout ce qu'il y a, mais il y a tellement de choses. C'est un jeu qui vaut le coup d'être acheté, surtout qu'il est en promotion. Ici, je sais plus s'il est encore, normalement, j'ai jusqu'au 29, donc je pense que c'est terminé, hélas. Mais en tout cas, il était en promotion à 10 € au lieu de 40, si je me trompe pas, ou 30, enfin, je sais plus vraiment. Ouais, je pense que c'est au lieu de 40. Et ça vaut le coup de payer 10 € au lieu de 40 € pour un gros jeu comme ça, parce que le prix est normal et correct, hein. Hein? Petit personnage. Je me pose une question. Ouais, on s'est changé de personnage en plus. Donc ça, c'est pratique. Si par exemple, ici, il me semble que j'ai une autre zone. Je sais pas, ici peut-être. On va aller voir, mais il me semble que j'ai une zone où je suis coincé. On va aller vérifier si c'est celle-là, mais en tout cas, il me faut le pouvoir spécial de l'animal, de ce personnage pour sauter haut, en fait. Et avec l'autre, je ne sais pas le faire. Donc ça, c'est cool de pouvoir... Oui, j'ai vu qu'il y avait un Yeti, mais je m'en fous, là, je suis occupé à autre chose. Non, ça, j'aurais pu récupérer avec n'importe quel personnage. Hein. C'est juste parce que... Voilà.
des tacos. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est pas forcément ça. Ah, je vais dégager. Oh! On te dit de te casser, tu te casses. Et tu arrêtes de casser les couilles à mon personnage. C'est ça, tu tires moi dessus seulement. Ils vont me tuer. Hein. Ils vont réussir à me tuer, quoi. C'est con. J'en étais où, moi? Non, ici, je fais un petit tourné coteau pour récupérer de la vie. C'est bon, là, je récupère de la vie. Dégagez, foutez-moi la paix. Ah ben c'est ici justement, c'est en hauteur je pense, c'est justement ici que je ne peux pas atteindre, je crois, je suis plus sûr. Hein. Bon en tout cas voilà, il faut changer de personnage à ce moment-là parce que c'est pas possible autrement. Mais je pense que c'est... On va quand même nous détruire là. Ça doit être ça. Ou pas, hein, peut-être que je me trompe. Apparemment non, donc c'est en dessous. Donc là, comme vous avez vu, il y a un truc de tondeuse. Vous allez chercher ça et vous allez tuer les persos en question. Ok, donc je note qu'il y a un truc de tondeuse ici. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, nous. Ah. Hein? Cette musique. Oh putain, mais nique ta mare. Bon. Ah bah, c'est pas loin. C'est ça. Comme vous remarquez, en fait, ça ne retire pas le truc. Ah oui, ok, c'est ça qu'il y a un machin à faire, en fait. C'est pas juste récupérer ça plus tard. Ici, vu que j'ai pas le son très fort, pour éviter que ça fasse conflit. Rien que ça. C'est pas très intéressant. Hein. Bon, ici, on va retourner sur le hut pour voir un peu ce que ça donne. Parce que de base, c'est ce qui est intéressant, justement, c'est un peu de voir ce que ça donne aussi à ce niveau-là. Saisonnez-vous. On va essayer de se dépêcher avant qu'on tue. Regardez comme c'est beau. Regardez l'eau, elle est glacée. On va éviter de se faire tuer par des monstres. Enfin, par les zombies, du coup. Oh, que c'est joli.
Je suis pas là pour me faire déglinguer, moi je suis là pour un peu vite visiter la ville. Aïe. C'est très bobo. Ça fait très bobo. Comme vous voyez, il y a du changement à chaque fois souvent. Hein, quand il y a du Noël, quand il y a Noël, Pâques et tout ça, selon les saisons, bah, ils font des petites modifs de map, c'est sympa et appréciable. Bon, que moi personnellement, je m'en fous un peu, mais bon. C'est cool. C'est cool. Bon, comme d'habitude, t'as des attardés qui savent pas s'empêcher de tuer tout et n'importe qui. Bon, monsieur l'attardé, foutez-moi la paix. Donc voilà, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, c'est très beau. Voilà, vous voyez que les trucs ont changé. Les trucs. Les ballons gonflables, voilà. Et ça me reviendra. Les mongolfli et pierre, voilà. Bah, ils ont changé. Bah, d'ailleurs, c'est pareil pour les trucs, c'est des cookies. C'est très beau. Et voilà, c'était une petite vidéo pour vous. J'utilise aussi pour éventuellement faire du test. Hein. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ressemble Plantes vs Zombies en hiver. Je vous dis à bientôt, bande de trucs. Ciao.